Et je me rappelle, étant gamin, plage Jean Massé. Vous voyez où c'est la plage Jean Massé? Alors c'était une tradition chez les ouvriers, ça peut-être. C'était pas celle de mon père. C'était pas la mienne non plus, mais c'était la tradition globalement des ouvriers. En sortant, on allait au café prendre la petite chopinette. Hein. Alors, les gens montaient avec leur vélo. Alors, il y avait toujours un qui était le premier sorti, parce que c'était peut-être pas forcément le premier rentré, mais c'est le premier sorti. Je le revois avec son vélo. Et les cafés, alors, il y avait tout un tas de cafés à ce moment-là, place Jean Massé, à monter, il y avait pas mal de cafés. Et forcément, le premier qui arrivait, il mettait son vélo, et il allait, sa chopine l'attendait sur la table. Prenez sa chopine, ça c'est pour la petite histoire. Bah oui, mais comme il y en avait d'autres qui montaient derrière, les vélos s'entassaient. Le premier qui était venu, lui, qui a mis son vélo là, bah oui, mais comment le récupérer? Eh bien, il retournait prendre une autre chopine en attendant, sinon une troisième. Bah, il fallait qu'il attende que tous les autres vélos soient partis pour récupérer le sien. C'est peut-être de la petite histoire, mais c'était la réalité. Et les gens avaient pris l'habitude, certains, prendre la petite chopinette avant de rentrer. Parfois, il y avait le litre dans la musette aussi. La petite chopinette en sortant le midi, 2 heures, parce qu'il y avait 2 heures pour manger le midi. On prenait la petite chopinette, puis le soir aussi.